Le meunier, son fils et l'âne. Fable de Jean de La Fontaine, extraite de son recueil de fables. Fable lue par Cécile Belluard. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mes garçons de 15 ans si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier à ces mots connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure, passe trois bons marchands, cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. Hein? Oh là, oh, descendez que l'on ne vous le dise. Jeune homme qui menait la quai à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit, c'est grand honte. Qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin à la fille et m'en croyez. Après ma colibée, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à glosser. L'un dit, si j'en sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Et quoi, changer ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbieu, dit le meunier, et bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière, nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit, est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Oh. Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de baudets. Le meunier est parti. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue. Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien. J'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens parleront, n'en doutez nullement.